partir les cheveux à la maison. Alors, pourquoi je fais ça? Initialement, j'avais des mèches. J'ai tout recouvert il y a un mois avec une teinture blond foncé qu'on fait poser 10 minutes. Je voudrais un petit peu l'estomper. Donc, j'ai vu plein de recettes pour estomper et je voudrais plutôt éclaircir. Du coup, je vais faire une recette maison. Pour cela, il va vous falloir du miel. Donc, moi, j'ai pris du miel de chez Dia. Pas besoin de prendre le super miel apiculteur et compagnie pour vos cheveux. Il vous faudra du citron. Donc, comme je suis un peu feignante, j'ai pris un citron, voilà, pareil, déjà pressé. Un soupçon de cannelle. Donc, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de citron, un soupçon de cannelle, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et pour avoir une base, beaucoup disent de mettre de l'après-shampoing. Donc moi, je suis partie sur mon shampoing éclaircissant Ultimate Blonde de chez Andrew Barton. Voilà, donc je vais mélanger tout ça. Ça fait un aspect, je ne sais pas si vous voyez, voilà, comme ça. Ça sent super bon. Je vais me mettre ça sur mes cheveux secs de cellophane. Je vais mettre une serviette pour que ça reste, entre guillemets, chaud près du corps. Je laisse poser une heure et je vous donnerai mon retour. A tout de suite. Donc voilà le résultat. Je remarque vraiment qu'il y a eu une nette différence par rapport à avant. Ça a beaucoup éclairci. Donc ça se voit pas des masses là maintenant parce que j'ai pas beaucoup de lumière et c'est une lumière jaune. Donc ça rend pas des masses, voilà. Mais je trouve que pour une première fois, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai laissé poser une heure, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait un après-shampoing, je ne l'ai pas laissé non plus trop longtemps, j'ai séché au sèche-cheveux et voilà. Donc je suis plutôt satisfaite. Normalement il faut le faire plusieurs fois pour que ça soit efficace. Donc moi déjà pour une première fois, c'est pas mal du tout. La suite demain à la lumière du jour. Donc comme vous voyez, c'est très marquant, mes cheveux sont brillants, ils ont été éclaircis. Pour une première fois, le résultat est plus que satisfaisant. Ils sont incroyablement doux. Ils sont vraiment en bon état. Je suis ravie. Je vais refaire l'expérience dimanche. Parce que l'idée, c'est de les éclaircir encore un peu plus. Je suis aux anges. Voilà. Donc, je vais aller travailler sans les lisser. Sans non plus les brocher, rien du tout. Je veux comme ça. je veux pas les abîmer. Et voilà. Donc, je suis ravie de cette expérience faite et je recommence et je vous conseille du coup de le faire avant de passer aux produits chimiques. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les filles. Ciao.